Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tu pries, tu t'es dit, Inch'Allah, on ne voit pas. Tu as mis le maillot totem. Wallah, Algérie, normalement, je t'attaque pas. Comment tu t'appelles? Nabil. Nabil, ça va, Nabil? Tu es venu avec madame? Non, tu es venu avec qui, Nabil? Il veut pas parler avec moi, il me regarde. On dirait quelqu'un qui est en train de se faire exorciser. Je vous savais, il va presser. Non, mais il n'est pas triste. C'était pas prévu, Nabil? Tu devais être où, Nabil? T'étais pas là, t'étais derrière. Il y a une place qui s'est libérée, qui s'est pas. Non, j'ai récupéré une place, mais je savais pas que c'était devant. Tu tiens une place, il y a un spectacle ce soir. Ah ouais, c'est gratuit. Premier rang. Et dans le Bouguera ZP. Tu savais pas. Mais ça, c'est un cadeau qui se refuse pas normalement, tu es au premier rang. C'est pas un cadeau. Non. C'est pas un cadeau. Je vais venir avec ma soeur et. Ta soeur? Elle a pas pu venir. Elle a pas pu venir. Sur le bon coin et. Ah, lui, là, c'est sur le bon coin. Je tapais la poussière, merde. Du coup, toi, t'es. Elle, et ta soeur, elle voulait pas venir, pourquoi? Non, elle a un imprévu, elle a pas pu venir. C'est sûr qu'elle avait peur, elle s'est dit, je vais faire un non, truc. Toi, t'es bon coin, normal, tu me respectes pas, tu vas acheter des places là-bas. C'est toi qui achètes les places sur le bon coin. Ça va, ils t'ont fait un bon prix? Je sais pas, j'ai même pas regardé. T'as même, comment t'as pas regardé? J'ai une réduction de 4€. T'as fait une réduction de 4 euros. Oh gosse. Ben c'est bien, tu vois, pour 4 euros en moins, tu. Et du coup, tout seul, solo. Non, mais c'est bien, Nabil. Franchement, moi, tu voulais décompresser. Ben tu vas bien décompresser, là, Nabil. Je vais te soigner, frérot. Tu vas m'appeler docteur. Je vais m'occuper bien de toi, Nabil, t'inquiète pas. Donc, toi, ta frangine n'est pas venue. Vous, madame, vous êtes qui? La sœur de elle, la fille de elle. La sœur de elle, la fille de elle. Voilà. Ça parle bien le français. La sœur de elle, la fille de elle. Et le père de elle, il est parti. Il est où le père de elle? Il a quitté l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, il est pas. Papa, il travaille. Il fait quoi, papa? Il travaille. Il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il... Vous n'êtes pas d'accord Quoi, les pickpockets, papa? Dis-moi ce qu'il fait, papa. Il n'y a pas de honte. Il fait quoi? Il fait des chantiers. Ben c'est bien les chantiers, il n'y a pas de honte. Moi aussi, j'ai, ben bien sûr, c'est très bien. Moi, j'ai démarré, je faisais chantier. Ben oui. Ben ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas de sous-métier. Écoute, chantier, Uber Eats, c'est des métiers. L'essentiel, c'est de ramener l'argent à la maison et qui élève ses enfants et qui parle mal le français. C'est ça le plus important dans le père de elle. C'est qu'il... Il ramène à manger dans la gamelle de elle. Comment tu t'appelles? JN. JN, qui veut dire la fin. JN. Ouais. On était dans le thème. Sa mère, elle rigole, c'est elle qui a donné ce nom. C'est une crapule, toi, madame. JN et Faten. Faten. JN, Faten. Et maman, comment elle s'appelle? C'est qu'elle dit Zeben. De Ben qui veut dire l'abeille, calmez-vous. Comment vous appelez, madame? Sarah. Sarah, ça va, Sarah. D'autres enfants, Sarah, en vue? Les prénoms, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mis que de la haine dans les noms des enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, Sarah? Tu fais quoi dans la vie, Sarah? Je suis chauffeur VTC. Chauffeur VTC. Ta mère, Uber, c'est bien. La mère de elle, Uber. Uber ou Hitch? T'as les deux. Ça t'es qu'Uber. Mais c'est bien, Sarah. Ça. Non, mais c'est rare, j'ai des femmes. Uber Hit, tu fais des hits des fois? Vous êtes au courant, le premier rang. Vous savez où vous êtes, hein? Elle a une surprise, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, là? Madame, premier rang, il déguste sa mère. Ah oui, madame, ça va déguster. Mais, ça va pas démarrer par vous, on va démarrer par là, allez. Vous êtes échappé d'un monastère ou quoi? La vie de ma mère. C'est deux assistants de moines tibétains au premier rang. Non, retournez-vous, faut vous retourner les frères. Namasté, mettez-vous debout. Il a une jupe, le fils de pute. Un écossais arabe.
Vous êtes sortis, les gars. Vous êtes trompés de spectacle. Ouais. Les hommes en jupe, c'est farine, normalement, c'est pas. Vous êtes trop beau, vous êtes magnifique. Vous faites quoi dans la vie, les frères? On est musicien, du coup, on est chômeur. Musicien, chômeur? Non, intermittent du spectacle, c'est mieux. On essaye. Telle intermittence, si vous manque des cachets. Ça, c'est un rire très mauvais. Tu sais, un rire comme ça, contre-temps, très mauvais. C'est quoi ton prénom? Rudy, hein? Jafar. Mais Jafar. C'était sûr. J'ai pas mieux, Jafar. Tu es trop beau. Jupe écossaise, magnifique. Vous êtes magnifique. Lui, il est dégoûté. Il s'est dit, putain, qu'est-ce que je fais là, moi? C'est ma femme, elle a pris les places. Je voulais pas. Comment vous appelez, monsieur? Felipe. Ça va, Felipe? Ouais. C'est deux salles, deux ambiances. Tu fais quoi dans la vie, Philippe? Tu n'es pas musicien, toi, ça se voit. Tu fais quoi, Philippe? Moi, je suis maçon. Maçon, ouais, t'as la voix d'un mec à travailler dur. Ouais, je suis maçon, tous les jours, je monte des murs. Ça va, Philippe? Et madame Philippe? Valérie, je suis assistante commerciale. Super, Valérie, super. T'es venu avec Philippe et lui, et c'est un pote aussi? Ouais. C'est, comment vous appelez? François. Ça va, François? Tu vas bien, François? Tu fais quoi dans la vie? Je suis courtier. Courtier, super. Assurance? Non. Banque? Crédit? C'est toi qui. C'est lui qui nique les gens, c'est lui. C'est François et madame François. Chantal. Ça va Chantal? J'aime bien le prénom Chantal. C'est la France Chantal. Chantal Goya. Ce matin, un chasseur a tué un lapin. Chantal, tu fais quoi dans la vie Chantal? Assistante commerciale. Assistante commerciale, ça va. Ouais, les femmes, elles ont le même métier. Elles sont connues au. Non, même pas. Bon, c'est bien, c'est super. Bonsoir madame, ça va, vous allez bien? Comment vous appelez? Vanessa. Ça va Vanessa? Ouais. Oh Vanessa, je pense à toi, j'ai les. Waouh, il y a des fans de gynéco, mais quelle ambiance! Qu'est-ce qui se passe? C'est bref. Ça va Vanessa, tu. Elle n'a pas la référence, regarde. Il a dit mon nom, ils se sont mis à chanter, j'ai pas compris. C'est chanson de gynéco, tu rentres chez toi, tu tapes Doc gynéco, Vanessa, parce qu'il était fan de Vanessa, Paradis. Donc à l'époque, il avait fait un album qui avait cartonné, mais c'est que pas toute la salle, c'est que les gens d'une certaine génération, on a déchiré la salle en deux. Il y a les fans de Doc Gynéco et les gens qui s'en battent les couilles de Doc Gynéco, on a les deux ce soir. Tu fais quoi dans la vie, Vanessa? Assistante commerciale. Excusez-moi, les assistantes commerciales, mais ce soir, vous avez pris le pouvoir. Et vous êtes copine avec les autres ou... Ouais, super, magnifique. Donc du coup, toi, je sais ce que tu fais comme métier. Assistante commerciale aussi? Non. Faites quoi? Claire de notaire. Claire de notaire. Hey. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, là, elle a un vrai job. Ouais, elle vend du café, elle fait signe des trucs. Elle a... Je suis claire de notaire. Elle les a regardées, alors les putes. Il y a un manque de respect dans son claire de notaire. Allez. Qui dit mieux? Vous avez perdu les autres, hein? C'est quoi ton prénom? Sandrine. Bravo, Sandrine. Vous êtes venue avec monsieur? Oui. Du coup, vous êtes madame, vous. Madame. Oui, madame, oui. C'est elle qui a le job, c'est elle qui a les cojones, hein? Elle est notaire. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le bâtiment, dans la maison. Ouais, c'est bon. C'est lui, ouais. T'es avec Philippe, toi. On t'a sauté à toi, frérot, t'inquiète pas. Jérôme. Ça va, Jérôme? Oui, c'est moi, Jérôme. Vous me reconnaissez? Ah là, il y en a perdu tout le monde, là. C'est Jérôme. Tu fais quoi dans la vie, Jérôme? Chef de projet. Quoi comme projet? Des pylônes. Des pylônes? Ouais. Tu vends des pylônes? Mais c'est qui achète des pylônes en France? Qui? Mais c'est ça que je veux savoir. Il vend des pylônes, le mec. Normal, ouais, je vends des pylônes. On a vendu 12 ce matin. Qui achète des pylônes en France? SFR. SFR, ils achètent des pylônes pour mettre les antennes? Voilà. Ah, c'est ça? C'est ça. C'est bien. Mais moi, j'avais jamais entendu ce genre de métier. Pylône. Assistante, oui, mais pylône, non. Moi, ça fait plaisir. Bonsoir, madame. Ça va? Vous me faites penser à mercredi. Vous connaissez mercredi ou pas? S'il vous plaît, levez-vous juste pour qu'il voit, parce que non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Allez, voilà.
Bowen's Day. Mercredi, c'est quoi ton prénom? Tatiana. 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 Pas Tatiana, Tatiana. Ouais. C'est ta mère, elle zouzotait ou c'est... Je ne connaissais pas. Tu vois, il y a des blagues faciles comme ça. Tu fais quoi dans la vie, Tatiana? Dessinatrice. Oh, mon rêve. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais petit. Je faisais des caricatures, je dessinais les autres, mais en dégueulasse. Je passais le dessin en classe et tout le monde rigolait. C'était mes premières blagues. Je dessinais. Tu dessines quoi comme... En bâtiment. En bâtiment? Ouais, c'est plus... Je pensais Spire ou des trucs de fou. Je dessine des bâtiments, c'est bien. C'est très bien. Et ça, c'est monsieur Tatiana? Ouais, exactement. Comment vous appelez, monsieur? Joël. Joël, ça va, Joël? Bien. Tu voulais pas être là, toi. Tu fais quoi dans la vie, Joël? Je sais pas. T'es peintre? Ouais. C'est bien, dessinatrice, peintre. Peintre des tableaux ou peintre en bâtiment? En bâtiment. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Tu t'attends à Picasso, mais non. Face à Dieu, c'est bien. C'est bien. Monsieur à côté? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous appelez comment? José. Ça va, José? Portugais? À tous portugais? Ouais, ouais, mais... Tout ça Portugal? Non, ça s'arrête là-bas, à Katmandou. Là, tu mets la barrière ici, tu mets la barrière ici. Tout ça Portugal, ça fait plaisir, ça fait... Ouais. Si, non, ça fait... Portugais en force. Vous faites quoi, monsieur? Garagiste. Garagiste, ouais, c'est bien, c'est très bien. C'est un beau métier, mais... un homme de confiance. Tu sais. Et madame? Paula. Paula, ça va Paula? Paula aussi. Paula... Très très beau prénom, Paula. Portugaise aussi. Vous faites quoi dans la vie, Paula? Assistante commerciale. Vous êtes fait un code assistante commerciale en vrai? Ça fait plaisir le Portugal. Bon, vous, vous n'êtes pas portugais? Non. Non, ça c'est des Marseillais. Eh non, frérot, le sang, les Marseillais. Ça va? T'es parisien? Eh bien, tu m'as fait un énorme. Là. 5 minutes, tu regardes le spectacle, il se transforme le mec. Comment tu t'appelles? Yes. Yes. Yes, très beau. Tu es venu avec madame. Comment elle s'appelle madame? Linda. Linda, tu fais quoi Linda dans la vie? Je suis mère au foyer. Mère au foyer, très beau métier. C'est plus... Elle est comme ça avec une bague à 4 millions, mais ça, je suis mère au foyer. Regarde bien la bague, fils de pute. Elle est plus sartée que la bague, hein. Eh oui, c'est Lies qui a payé la bague. Tu fais quoi dans la vie, Lies? Je suis recruteur chauffeur SPL. Recruteur comment? De chauffeur SPL, c'est bien. Et comment ça se fait la bague? On veut tout savoir, frérot. T'es recruteur, c'était sa vie d'avant? Ah ouais, là, ça avait... Bon, bref. On va pas savoir ce qu'elle faisait dans sa vie d'avant, elle, hein. Psartek, hein. Mais c'est... Elle frime encore, elle est comme ça, avec la bague, hein. Bon, bref, elle brille, hein, c'est une vraie, tu peux voir, hein. Venez demain, non, madame? Comment c'est lui? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de loin. Vous venez d'où? De loin. Dites-nous. Bruxelles. Bruxelles? Ouais. Tu vois que c'est des bugs. Ouais. On va le voir. Je viens à Bruxelles, c'est big. Dis-moi, je voulais faire un week-end romantique avec ma meuf. Voilà, on voulait se faire un spectacle, un kiff. Je viens à Bruxelles, je vais en janvier, je fais Cirque Royal. Et Cirque Royal, c'est... il n'y a plus de place. Il y a un mec, il a mis les places en Belgique, sur le marché noir, à 700 euros. Il a cru que j'étais Céline Dion, le fils de pute. Doucement, frérot, 700 euros. Il s'est chauffé, le mec, il s'est dit 700 euros, j'en ai 2004. Je quitte Bruxelles. Ouais, c'est cher, c'est cher, ouais, c'est cher. Et du coup, vous avez trouvé à Paris, comme Bruxelles, c'était complet. Vous étiez on vient ici à Paris. On a trouvé sur le bon coin. Sur le bon coin. Hey. Combien? Cher. Cher? Dis-moi. Dis-moi. Dis-moi, frérot. Il y a un fils de pute sur le bon coin. Si je l'attrape. Il fait plus de sous que moi, le bâtard. Il achète les places. En vrai, je suis pas complet. C'est un mec sur le bon coin. Il a monté une escroquerie. C'est lui qui se gave. Non, combien t'as payé, dis-moi, frérot? 500. 500? Allez raconter aux autres, 500 euros, ils ont payé. Il n'y a que des belges pour...
T'as vu l'ambiance que tu as mis là? Mais ça fait plaisir. Je vais me donner, voilà, là tiens. Oh oui. Oh oui, Zaki, Zaki. Ah oui. Ça sent rouge, je suis ta pute, Zaki, la vie de ma mère. Je veux que tu rentres en Belgique, tu parles aux Belges. 500 euros. C'est fort, hein. Céline Dion, je la nique. Allez lui dire à Céline, je te baise, Céline. Eh ouais, c'est beau, hein. Ça va les Portugais, vous passez un bon moment? T'as vu, on a rattrapé ton embrouille de Iberix. Il est arrivé, lui, Zaki. Putain de merde. Non, t'es bien arrivé, frérot. Putain, c'est la légende, hein, 500 balles. Putain, je suis quelqu'un, Zébé. Ah ouais, je suis quelqu'un. Là, là, on le voit que je suis quelqu'un. Les places à l'avance, 500 euros. Ma femme, en plus, elle est là ce soir. Ce soir, je vais lui dire à ma femme, putain, respecte-moi, putain. Déjà, il fait 500 euros. Elle, tout le temps, me dit, attention la grosse tête, attention la grosse tête. Mais c'est à cause de lui, Zaki. Je dépasse à 500 euros, Zaki. Là, tu vois, qui fait Zaki, moi, je vais tout donner. Je vais tout donner, t'arrives en retard, on va essayer de rattraper le truc. Tu es là encore demain? Quand je t'invite encore demain, tu reviens comme ça, tu as mouché les 500 euros. Je ne peux pas laisser comme ça. Mes parents, quand ils vont voir la vidéo, qu'ils vont savoir que des gens payent 500 euros, le prochain ramadan, quand je vais débarquer au repas, un cow-boy, coup de pied dans la porte comme ça. Alors, elle est où ma charba? J'espère qu'il y a des boulettes de viande à l'intérieur. Hein. 500 euros, putain. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je suis content, vraiment. C'est une belle soirée, c'est une belle soirée. Bon, on fait le spectacle quand même, hein. C'est bien, on a passé un bon moment. T'imagines, mec, c'est fini, merci beaucoup. Il se barre. On a ouvert le Palais des Sports. Palais des Sports, Dôme de Paris, c'est une salle exceptionnelle. On n'a pas ouvert un, on n'a pas ouvert deux, on n'a pas ouvert trois, on n'a pas ouvert quatre. On a ouvert huit. Pour éviter aux gens d'acheter des places à 500 euros. Toi, parle aux Belges, dis-leur, il y a des places à 40 euros disponibles. Mais ils ne voulaient pas attendre jusqu'en juin. Ils voulaient impressionner Pauline. Comment ça s'appelle? Apolline. Apolline, il manquait un A. Et... Apolline, c'est beau ce qu'il a fait pour toi. Hein. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui. Oui, ben, c'est un gentleman. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Marié. Vous êtes marié? Magnifique. Zaki, marié. Hey. Ça fait combien de temps que vous êtes marié? Combien? 3 ans. 3 ans. Des enfants? Deux. Magnifique. Qui garde les petits? Papi, mamie. Papi, mamie, très bien. C'est les meilleurs nounous. Les moins chers, c'est les moins chers. Ils adorent les enfants quand c'est papi qui les garde. Surtout quand c'est garçon, qu'ils amènent faire pipi, ils tremblent. Bah, bref. T'es technique, celle-là. Tu vas la comprendre demain. Non, mais c'est... Ah oui, c'est la technique. Quand tu te dis, papi, je veux faire pipi. Tata,